Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. 8ème vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, nous partons au Brésil avec le rythme samba, extrait de ma méthode Ethnorhythme qui regroupe 20 rythmes essentiels de musique du monde. C'est parti! Le rythme samba est un des plus populaires au Brésil. On ne peut donc pas passer à côté de ce groove indispensable, à mettre absolument dans notre trousse à outils de batteur éclectique. Avec quelques petits exercices bien progressifs, vous verrez que ce rythme n'est pas si difficile que ça à jouer. Nous travaillerons d'abord l'ostinato de pied samba, que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo Indépendance pied-main. Puis nous nous attarderons sur le travail à la caisse claire, avec un phrasier traditionnel. Et enfin, nous superposerons le travail des mains sur l'ostinato de pied. Exercice 1, voyons déjà le fameux ostinato de pied. Petite astuce mnémotechnique, pensez-le comme une question-réponse entre vos deux pieds. Con, chic-con-con, 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 question-réponse, 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 question-réponse. Ok ? C'est parti. Dans beaucoup de musique du monde, ce que j'appelle la mélodie des accents se joue à une seule main. Dans notre samba, nous jouerons tous les accents à la main droite sur le bord de caisse pour faire ressortir une jolie harmonique qui donnera plus de musicalité à votre phrasé. La mélodie d'accent à mémoriser est la suivante. Tac tac ta tac 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 tac. On essaie ça tout de suite. Dans l'exercice 3, nous allons ajouter la main gauche en remplissage ghost note en réponse à notre mélodie d'accent. Pour ceux qui n'auraient pas la notion de ghost note, sachez simplement que ce sont des coups qui sont joués très faiblement.
Exercice 4, nous allons insérer maintenant la mélodie d'accent main droite sur l'ostinato de pied. Et vous allez voir que ça va déjà bien sonner. Exercice 5, on ajoute le remplissage main gauche, et ça y est, on est arrivé au Brésil. Et pour terminer, enchaînons les exercices 1, 4 et 5, ce qui va nous permettre de jouer progressivement l'intégralité du rythme et de nous détacher petit à petit de l'ostinato de pied. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur les ethnorythmes. Cette première approche du rythme samba vous donnera les bonnes bases pour vous lancer dans la musique brésilienne. Retenez que la qualité du son que vous allez produire est aussi importante que le travail de coordination. C'est grâce à cet équilibre sonore que vous allez sonner parfaitement dans le style. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethnorythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers, à bientôt pour une nouvelle vidéo.